Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez par la télévision et sur le site internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions pour M. Jean Clément. Nous célébrons aujourd'hui dans l'Église universelle le martyr de Saint Ignace d'Antioche. Pour nous, ici à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, cette célébration eucharistique qui nous rassemble n'est pas seulement l'occasion de commémorer le martyr de Saint Ignace, c'est aussi l'occasion de rendre grâce pour l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie de Saint Frère André. En effet, 3 ans se sont écoulés après le jour heureux de la canonisation de Saint Frère André. Rendons grâce au Seigneur pour cet homme de prière, d'écoute et de compassion. Seigneur Jésus, tu es venu nous ouvrir à la vie dans la foi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi le premier, tu as fait une entière confiance au Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes la grâce de ton esprit pour que nous vivions dans la foi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de Saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tous les hommes sont dominés par le péché. La loi de Moïse, elle, servait seulement à faire connaître le péché. Mais aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve. La loi et les prophètes en sont déjà témoins. En cette justice de Dieu donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est pour tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes sont pécheurs. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d'être des justes par sa seule grâce, en vertu de la rédemption accompli dans le Christ Jésus. Car Dieu a exposé le Christ sur la croix afin que par l'offrande de son sang, il soit le pardon pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, au temps de sa patience, effaçait déjà les péchés d'autrefois. Il voulait manifester au temps présent ce qu'est sa justice qui sauve. Telle est sa manière d'être juste et de rendre juste celui qui met sa foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Au nom de quoi le ferions-nous? Est-ce au nom d'une loi que nous pratiquerions? Pas du tout.
c'est au nom de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment des actes prescrits par la loi de Moïse. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-ce pas aussi le Dieu des païens? Bien sûr, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ceux qui ont reçu la circoncision, il va les rendre justes par la foi, et les autres qui ne l'ont pas reçu, il les justifiera aussi au moyen de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait au docteur de la loi : Malheureux êtes-vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués.
Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et en persécuteront d'autres. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, cette génération devra en rendre compte. Malheureux êtes-vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui essayaient d'entrer, vous les en avez empêchés. Après que Jésus fut parti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et le harcelaient de questions. Ils étaient à l'affût pour s'emparer d'une de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, les textes que nous venons d'entendre ont une résonance particulière en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Ignace d'Antioche. Pour nous faire prendre conscience du danger du faux-semblant, le Seigneur, à travers la liturgie du jour, n'hésite pas à utiliser des mots très durs à l'endroit de ceux qui donnent l'apparence d'être de bons serviteurs, mais qui en réalité tournent le dos aux véritables priorités spirituelles. Cet enseignement nous renvoie donc à la vérité de notre relation avec lui. Il nous appelle à rester fidèles dans la foi et à vivre en toute vérité notre vie chrétienne. Ignace d'Antioche a compris ce message. Il a compris que la seule attitude pour obtenir le salut est la foi qui est une adhésion ferme au Christ mort et ressuscité. C'est dans cette expérience et cette foi que nous sommes invités à entrer nous aussi aujourd'hui en entendant la parole de Dieu qui nous a été proposée. Frères et sœurs, nous sommes choisis pour être dans ce monde en recherche lumière du Christ. Il nous a créés pour que nous entrions en communion avec lui. C'est son amour qui nous fait vivre. Chaque jour, nous devons nous efforcer de répondre à son appel. Cela doit se traduire en tout temps par le témoignage de notre vie. Ayons le courage de reconnaître nos faiblesses, de nous avouer à nous-mêmes et à Dieu notre infirmité et nos limites, et prendre la ferme résolution de changer de vie, c'est-à-dire de nous présenter tels que nous sommes en réalité. Puissions-nous, au cours de cette célébration eucharistique, prendre conscience encore davantage de l'immense fidélité de Dieu à notre égard, de son infinie miséricorde à l'égard de chacune et chacun de nous. Amen.
Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ, moulu sous la dent des bêtes et devenu pain immaculé. D'accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de saint Ignace. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ignace d'Antioche, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le ciel et le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps sans du Christ soit l'invité.
Prions le Seigneur. Seigneur, par cette communion au pain du ciel, reçue à la fête du Saint-Évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.